Valérie, comment puis-je me faire rembourser un appel surtaxé, vous demande Marianne. Alors, les appels surtaxés sont interdits pour trois choses, le suivi des commandes, les réclamations et le service après-vente. Donc, si ça a été le cas et que vous avez été facturé pour un de ces trois cas de figure, vous pouvez prendre votre relevé de téléphone et puis envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. C'est un peu cher. Ouais, c'est un petit peu cher, ouais. Parce qu'en France, ça coûte plus de 4 euros, hein, 20 grammes au niveau national. Donc, voilà, dans les autres cas de figure, les appels surtaxés sont autorisés. Donc, simplement, la seule règle, c'est que vous soyez au courant avant que l'appel ne commence, la communication commence, donc au moment de l'attente. Ah oui. On doit vous indiquer le tarif. Voilà.